ingénieurs vont dans un terrain et pour gagner leur professeur, c'est un peu compliqué. Hein? Il fallait même laisser la chance que les professeurs gagnent au moins. Ou bien? Bien. Ensuite, hier vendredi, nous avons organisé un investissement humain au sein de l'école. Donc, si vous regardez l'école, vous le constaterez vous-même, n'est-ce pas? Ensuite, il y avait la marche retour, génie en air. Et félicitations à ces deux classes. Et c'est pour dire que aussi les autres ne sont pas démérités, n'est-ce pas? Donc, il y aura toujours un gagnant. Et c'est toujours le CM de Koungani qui gagne, n'est-ce pas? Que ce soit la troisième, la sixième, ou bien la quatrième, ou bien la cinquième. C'est parce que vous allez avoir plat d'entrée. Ensuite, il y aura plat de résistance. Et à la fin, on va vous servir le dessert. Alors, et quand on dit un plat, d'abord, on a besoin de se laver les mains. Et pour laver les mains, on va commencer par la présidente du gouvernement scolaire du CM de Koungani, Ramata Traoré. Vous l'applaudissez très fort, Ramata, qui va essayer de nous proposer son discours. Ensuite, le principal, et je dirais même, comme nous l'avons l'habitude de le dire, le principal des principaux, Moussé Camara, lui aussi, va faire son discours. Ensuite, il y aura un collègue représentant du corps professoral. Ensuite, on va appeler Moussé Badian, le représentant des enseignants de la ville de Koungani, d'une manière générale, n'est-ce pas? Que ce soit Koungani 1 ou bien Koungani 2, en commençant par le préscolaire et le collège, n'est-ce pas? Plus maintenant les madrasas. Ensuite, on va avoir toujours au niveau de ce plat d'entrée, n'est-ce pas? Les différents discours des parrains, n'est-ce pas? Et ensuite les marraines. Et pour les parrains, je demande aux élèves de se lever, s'il vous plaît. On va les applaudir pour les féliciter. S'il vous plaît, Didier. On a besoin de parrains. Sans eux, ceci ne serait pas réalisable. Donc merci une fois pour toutes, M. Saho, Kile Saho, à travers Issa Général. Merci M. Gaï Dramé, à travers M. Djoumansi, ici présent, qui lui représente. Merci aussi Mme Dramé et Mme Diawara aussi. Merci. Ensuite, pour entrer maintenant, pour le plat de résistance, on aura les activités de CLAP
poésie et théâtre, n'est-ce pas? Ensuite, je ne sais pas si le club de PS est là, donc pour fitness et gymnastique, qui doit être géré, si je ne me trompe pas, par Bintou, ou bien, n'est-ce pas? Ensuite, on aura un vis-à-vis, de l'autre côté, vous allez avoir les scientifiques, et en face, on aura aussi les littéraires. Et ensuite, il y aura la prestation exceptionnelle, défilé traditionnel, danse traditionnelle et moderne. Et on va terminer le plat de résistance avec la grande finale Génie en herbe qui doit s'opposer la sixième à la troisième. Et maintenant, on va prendre une petite pause. Et après cette pause, on va reprendre maintenant pour vous servir le dessert. Bien, on va avoir pour le dessert, ce sera la remise des prix aux meilleurs élèves. Donc on aura trois élèves par classe. La première ou le premier, la deuxième ou la deuxième, le troisième ou la troisième de chaque classe. Et tout à l'heure, je m'excuse, je disais que Madame Dramé, alors que c'est Madame Doukou, on l'applaudit très fort. Madame Yampimaha. N'est-ce pas? C'est toujours encore la sixième. Où sont les élèves de la sixième? Donc finale football, sixième contre la quatrième. La quatrième. Est-ce que le meilleur gagne? N'est-ce pas? Alors sachez que c'est un match de football. Et ça se limite dans le terrain. Une fois que l'arbitre siffle le fin, ce n'est plus la quatrième ni la sixième, mais c'est le simple Kungani qui gagne, n'est-ce pas? Bien, et on va terminer en beauté à partir du 21 Soninke. Moussa, vous avez la parole. Assalamu alaikum. Orasukunyi, Brage, Orasukunyi, Nasukhanda. Au moment où le professeur Binga, monsieur le principal, Orasukunyi. Et comme que Orasukunyi a milié, il y a un français qui est bien vrai qu'il y a un français qui est ha omani yere o fabri yere ya soni ginya ko mo a wajibo kama ona ilandi da nga soni ga kanne donc programme ke orjo pangeli darumeya alhamsa ge orjo parti yigatin kebe da nga hando le peres soni ga kanne ha moy o yile do debe ke no honya o ga deber ni or deber tem nya kama te precis ken manne fatam makke amun nafa société que nous donc on y est en débris on devait bravo les gars n'a qu'eu au salon au goût n'a dit fatama qui n'a mouna fagnane har koube les gars t'as ou okani kuno fokébé yang a fatama qui n'a verri au gire kenga alhamsa que l'élenga hora katenya gel kunga ni terro horenga haram mouna iro haram lomonga irmeni gel kunga ni mouna ke du baranga kharal lu mo nga im kutte to professeur ni nga bawle ri ko do benefit ni taxam donc daru aljuma nga iri selan len le beere gel école ken ko selan le ke dangi falle kala susu iga kharal lu mo mutu iga karoni ta honni ni kala su iga suro mutu iga mefirana do karo ke batte inat ken nga genianer o girnoma daru lelenga finale nyanketi koleske yahanu naga kharallu mo gubere ga 5e ado 3e yande mekita koleske terengere ha 3e lumununga i 5e lumunun godu wuri or meñi gelle bra horenga nande go odambe no xile mundununga ado na election miss ndaberi gel classine gunoga nga aro playboy donc lengi man ko dake journée d'excellence
radio bande qui est hors de partie mise en place. Alhamdulillah, on est déjà là. On est là, on est là, on est là, on est là, on est là. Nadgamingini, Srokoubeni, présidente, école qui est Kirsenga, elle est venue au Koussou. Il est servi sous bandi, Nanya Kirsenga. Kengana Giri, on a Dgamingini, quel ramoureux de Kouim Mangenga, il est là, monsieur Kamara, monsieur le principal. On a Girnonga, ramoureux de Kouberi, quelle école qui est là, il est servi sous bandi, il est Dgamoula Rakena. Kengana Douta. Monsieur Badian Nguyere, aga kungé né xaram mo golé ñu représenté né ina digamé ngi né yanga na dangi igér golé ké saxa ko no faawa ko ngir sorobé ni hokkilé saxo maire de Diawara lengi ay même ka téwé né ha o yimé kungé né saaré mé ñané ré igatina danga Issa Abu Tanjigora aga séré da kumba jagili gaay dramé aham kat tewe ne xamuse jumasi ayalle tewe abatenga umani yere maro drame ayay saga ruki ginaya aru fatu jawara ogna gir kenga onari gelle equipe be ga yere igasina da kalap ina théâtre ni jouer ina digamu nangini kat saranu ma kudo kharangen kubare nga aro kendi metana di metana ogna girno nga ogni fatam makke kebe waru ngongo eleve ni nyaani yere iga fatam makke ne berne qasu juma khaga wala inat kenna nga club dps fitness nyaana no ado gymnastique ogna girno nga vis-à-vis oga école beno ko yere kharallo munge inati da scientifique ni xaralum ngay ina ci danga literaire ni donc ku nga sikki kat me igame jabini ogna girno ma prestation exceptionnelle défilé traditionnel danse traditionnelle fu megen ko regé ñña soni ngal ligé ñan ba wala fotora regé ñan ba wala foalé soni nga ko ñaanu ga ko deber ba ona dangi kat kumba ogna gir kenga ogel sigari subani no kubey de be kalasini be ni kalfe kuro kharange ke karanga ina tuma ina funeegi kengana dangi kharallu mo kubey ne durukoto kalasini gunagati be ni gayre ina kharalle durukoto do sikki wudu moy kalas ke soro be ni bo fanane sikki soro ko sikki be ni bo kane ini yawtu iga kaduni ginniya kengana dangi yige nanya lelenga khoda katen naya kharallo munduru na nga e wuronga ona duta dum khore na ke digel ku ngene bra khore nga dogo kyar programme be ngene waga ogar na jobo cha merci bien merci Moussa. Donc on va demander tout le monde de se lever s'il vous plaît et on va commencer en effectuant un acte civique. Et Didier va nous présenter l'hymne national du Sénégal. Et je demande tout le monde de se lever, s'il vous plaît. Didier. C'est bon, Didier, ils sont pareils, Nidem. Thank you.
Je demande au public si Naé Diakho est là et Fanta Camara. Naé et Fanta. Naé, vous venez? Et Fanta. Fanta Camara. Donc Ndiogou, vous allez remplacer Fanta. Vous venez s'il vous plaît. Vous allez accompagner nos invités. Vous allez être nos hôtesses du jour, s'il vous plaît. Naé, venez, levez-vous. Ndiogou. Voilà, Fanta est là. Bien. Donc, sur ce, Moussa, on va appeler la présidente Ramata Traoré pour son discours. Voilà, il va prendre le mot que Seigneur Lé. Aya gani Ramata Traoré, aya liyere kungene kuleske ya kralu mwankarse. Bien, allons-y maintenant. Monsieur le chef du village, monsieur le président de l'association des parents d'élèves, monsieur le principal, monsieur le surveillant, messieurs les coordinateurs du gouvernement scolaire et de l'association sportive, messieurs les professeurs, chers parents, chers marraines de la fête, chers parents d'élèves, chers invités, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. À l'occasion de cette journée d'excellence, symbolisant la fin des activités organisées par le gouvernement scolaire, au nom desquelles je m'adresse à vous, je tiens tout d'abord à vous souhaiter la bienvenue au Sempungani. En effet, l'organisation d'une telle manifestation nécessite la mobilisation de toutes les ressources à la fois humaines, politiques et financières. Ainsi, je remercie tous les membres du gouvernement scolaire et l'équipe pédagogique du CERF. Nos remerciements vont à l'endroit des parents Kile Saro et Gaï Drame et marraine Maro Drame et Fatou Djawara, sans lesquels la réussite de cette fête serait un véritable casse-tête. Réunis ici pour la bonne cause, l'école, lieu d'acquisition de connaissances, d'apprentissage de savoir-vivre, de savoir-être et de savoir-faire. Lieu où l'on enseigne les mathématiques, la physique, la chimie, les sciences de la vie et de la terre, l'histoire et la géographie, l'éducation physique, bref, tous les domaines du savoir. En ce sens, des valeurs sont sélectionnées pour former des citoyens modèles, voire les dirigeants du Sénégal, les futurs dirigeants du Sénégal. D'ailleurs, Victor Hugo disait dans cette mouvance que ouvrir une école, c'est fermer une prison. L'école est la seule industrie dans le monde qui produit des hommes d'État, des avocats, des magistrats, des journalistes, des architectes, des ingénieurs, des médecins, de grands scientifiques. La liste est longue, mais la finalité de l'école est de former de hautes personnalités, d'où l'importance de l'éducation. De surcroît, selon Émile Durkheim, l'éducation est l'action exercée par les générations adultes sur celles qui ne sont pas encore mûres pour la vie sociale. Elle a pour objet de susciter et de développer chez l'enfant un certain nombre d'états physiques, intellectuels et moraux que réclame de lui et la société politique dans son ensemble et le milieu spécial auquel il est particulièrement destiné. L'éducation occupe une place primordiale dans les pays développés. Paris conscient, conscient de leur sort, les pays pauvres accusent un retard dans ce domaine et mettent des moyens pour rattraper ce retard. Force est de constater que des efforts doivent être fournis pour relever ce défi. À ce titre, je lance un appel solennel à tous les acteurs de l'éducation,
ministre de l'Éducation nationale, inspecteur d'académie, inspecteur de l'éducation et de la formation, principaux, professeurs, enseignants, parents d'élèves, de s'investir davantage dans les projets susceptibles de participer à la bonne marche de l'école. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est par ces mots que je termine mon propos et souhaite un plein succès à tout un chacun. Chers camarades élèves, soyons au rendez-vous de l'excellence. Travaillons encore, encore et encore. Bonne fête à toutes et à tous. Je vous remercie de votre aimable attention. Fanawad. Merci la présidente Ramata Traoré. S'il vous plaît, on va l'accompagner avec des applaudissements. Merci la présidente. Didier. Monsieur l'imam de la Grande Mosquée, messieurs les parrains, mesdames les marraines, messieurs les coordinateurs du GS gouvernement scolaire et de l'AS, mademoiselle la présidente du gouvernement scolaire, messieurs les membres du corps professionnel et de l'administration, chers collègues de Koungané 1, Koungané 2 et les différents arabes du village, chers élèves, honorables invités, c'est avec un réel plaisir et une joie profonde que je me présente devant vous pour vous dire ces quelques mots à l'occasion de cette journée consacrée à la fin des 72 heures du gouvernement scolaire de CM Koungané, dont le thème est leadership, prise de parole en public et engagement de l'élève dans son milieu de vie. Parlant de ce thème, je tenterai de l'aborder en l'éclatant en trois sous-thèmes dont je ferai l'économie pour ne pas être trop long. Je commencerai d'abord par donner une petite définition de ce que c'est le leadership, de donner l'importance de la prise de parole en public et terminer par expliquer le sens de l'engagement de l'élève en particulier et de l'individu en général dans son cadre de vie. Parlons du leadership. L'école ayant pour vocation de former les citoyens et les cadres de demain, apprend ainsi à l'élève non seulement le savoir-être, le savoir-faire, mais aussi le savoir-faire-faire. C'est dans cette optique que s'inscrit le leadership comme l'une des multiples aptitudes ou comportements que l'on acquiert à l'école. Le leadership c'est défini ainsi comme l'ensemble des communications interpersonnelles par lesquelles un supérieur hiérarchique influence le comportement de ses subordonnés en les orientant vers la réalisation volontaire des objectifs du groupe et de l'organisation. Cependant, il existe beaucoup de styles de leadership qui caractérisent le leader en tant que membre du groupe, les meneurs du groupe. Parmi ces classifications, on retiendra entre autres le style démocratique qui encourage la participation aux décisions de la part des membres du groupe. Le gestionnaire démocratique fait confiance à ses collaborateurs. Ce type de leadership se caractérise par la délégation de l'autorité, par la participation des employés au processus de décision et par la liberté d'exécuter le travail à leur manière. Leadership, le leader de ce style voit à ce que les tâches des partenaires soient bien coordonnées et que le travail s'effectue dans un environnement agréable. La prise de parole en public. On dit que prendre la parole en public, c'est parler à un groupe de personnes d'une façon structurée et délibérée pour informer, influencer ou amuser les auditeurs. Son but n'est rien d'autre que de transmettre un message à l'aide d'un langage en utilisant la voix et le corps pour communiquer. Par contre, la prise de parole se heurte à un grand obstacle chez bon nombre de personnes. En effet, la peur de s'exprimer devant le public est une chose qu'on peut surmonter. Pour cela, un bon orateur doit être bien préparé pour arriver à gérer ses émotions, sa peur, son anxiété
et sa timidité, à émettre un message clair et captivant et à satisfaire pleinement son public. Le dernier point est l'engagement de l'élève dans son milieu de vie. Comme son nom l'indique, l'engagement consiste à s'investir personnellement en faveur d'une cause sociale qui vous est chère. L'un des avantages de l'engagement, c'est qu'il peut prendre diverses formes. Bénévolat dans une association sportive, engagement humanitaire éducatif, prise de responsabilité dans un bureau d'une ASS, des quartiers, etc. L'engagement social est aussi et surtout une solution pour les élèves qui souhaitent faire de nouvelles rencontres et se sentir utiles. Voilà pourquoi il est recommandé à tout un chacun de s'engager pour participer au développement socio-économique de sa localité. Je ne saurais terminer mon allocution sans adresser ces quelques mots aux parents d'élèves pour ce qui concerne notre départ. Vous n'êtes pas sans savoir du mauvais état dans lequel nous travaillons depuis des années maintenant. Le problème des classes est en présent une veille d'Orient. Car il y a 4 ans de cela, notre collègue, Mme Mané, qui était professeur d'éducation civique ici au sein de Mali, nous a interpellé sur la même question. Mais il semble que cette interpellation est tombée dans l'oreille du sourd. Car jusqu'au moment où je vous parle, nous ne voyons rien de concret pour soulager la peine des apprenants et par ailleurs diminuer le calvaire de l'ensemble du personnel qui travaille au sein de l'établissement. Pour cela, on ne cessera jamais de vous le rappeler, car on dit souvent qu'un esprit sain dans un corps sain, mais le corps a aussi besoin d'un environnement sain et sans risque. En revanche, j'adresse mes vives félicitations à l'ensemble du personnel du CM Koungani, mais surtout aux professeurs qui abattent un travail colossal, ce qui nous a prévalu des résultats très satisfaisants durant ces 3 dernières années, avec de très bons taux de passage, mais également après l'examen du BFM. 76% en 2020, 84% en 2021 et 91% en 2022, tout en espérant que 2023, on atteindra les 100%. On applaudit, s'il vous plaît. Chers élèves, le travail bien fait et la discipline doivent être votre credo. Comme vous le voyez sur le logo du collège qui se trouve sur vos blouses. Malheureusement, on assiste chaque année, pour ne pas dire chaque jour, à des cas d'indiscipline notoire. Si ce n'est pas à l'égard d'un professeur, c'est à l'égard d'un membre d'administration. Mais, imbu d'un esprit de dépassement et d'une conscience professionnelle, on fait de notre mieux pour mener à bien notre travail. De ce fait, nous sollicitons la collaboration des parents d'élèves par le biais du président de l'APE, ici présent, qui est lui-même témoin des faits dont je suis en train d'évoquer. Dieu merci, le premier semestre s'est déroulé dans de très belles conditions, avec des moyens extraordinaires en 3e, en 4e et en 6e. Au moins, leurs premiers ont 18 sur 20. Je souhaite que le second semestre se passe dans de meilleures conditions. Au nom de tout le personnel du CM Koungani, je vous remercie encore une fois d'avoir répondu très favorablement à notre appel. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de votre attention et que la fête soit belle. Anawari. Ensuite, il y a son adjoint, M. Dia.